Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, ça sera un haul solde été 2015, donc on va tout de suite commencer. Je vous avouerai que cette année je l'ai joué un peu en mode nocturne, en repérant tous les produits que j'aurais aimé acheter ou que je voulais, et j'ai préféré faire les soldes de minuit à 4h du matin sur certains sites, surtout au niveau des cosmétiques et aussi au niveau du site Zara et Jennifer, même si j'ai pris qu'un seul article. Vous le verrez de toute manière dans la suite de la vidéo, et c'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique. Du coup j'ai reçu les vêtements assez rapidement et les cosmétiques aussi assez rapidement, même si j'en attends toujours encore, surtout concernant Bershka et beauté privée. Donc dans tous les cas, on va commencer tout de suite et je vais vous présenter les produits d'abord qui sont non soldés et ensuite je vous présenterai les produits soldés. Donc on va commencer par Primark et Sick June. Tout d'abord chez Primark, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir ces bijoux. C'est des chaussures comme celle-ci, voilà, qui font un peu effet peau de serpent, sirène, qui sont un peu, je sais pas comment on dit, pas phosphorescentes parce que non, elles brillent pas dans la nuit, mais un peu bicolore, ça fait un effet un peu hologramme, et c'est vraiment, elles sont vraiment superbes ces chaussures. Elles m'ont tout de suite fait penser à Adrienne Tren, parce que je sais qu'elle adore les sirènes et qu'elle adore surtout les effets comme ceci, et moi je les ai adorés, j'ai craqué dessus. Donc c'était des chaussures qui étaient non soldées, je pourrais pas vous dire si elles sont soldées actuellement ou pas. Je les ai pris en taille 39, elles étaient à 18€. Je trouvais que c'était pas excessif pour une paire de sandales à talons comme celle-ci. Elles sont vraiment topissimes, certes ça va pas avec tout, mais je peux vous dire que je les adore et elles sont facilement marchables, elles font pas mal aux pieds, le talon est pas forcément très très haut et franchement je les adore. Et donc maintenant je vais vous présenter mes deux articles de chez Sick June. J'étais partie à Aéroville et je suis tombée sur cette boutique. J'en avais déjà entendu parler et je vous avoue que j'ai réellement craqué. Je vous remets un peu le haut parce que je vous avoue que j'ai fait un lookbook avec ces deux vêtements, donc que vous retrouverez vendredi si je me trompe pas, samedi, jamais posté le vendredi mais je vous dis vendredi quoi, donc que vous retrouverez samedi. Donc j'ai pris un petit top comme ceci qui est gris chiné et que je trouve vraiment très très beau pour l'hiver ou pour l'été, et il est ajouré ici, il est découpé, et ça fait un peu effet vieux vêtement, tout craqué, mais qui est en fait très design, très mode, vous voyez quoi? Ah ok, bon bref, j'arrête mes délires, donc il est vraiment très très beau. Donc c'est certes, vu comme ça, c'est pas très très révélateur de la sublimissance de ce haut, mais vous allez voir dans le lookbook ce samedi. Et vous m'en direz des nouvelles. Et je vais vous dire les prix. Je crois que je les ai gardés. Donc il était à 25€. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Sick June, j'ai pris une jupe que j'ai trouvée magnifique. Ma chérie. Qui est comme celle-ci. Donc vous avez le petit détail juste devant où c'est imprimé Rude. 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 Rude, rude, hein, on est d'accord. Et derrière, vous avez une fermeture éclair comme celle-ci. Et la couleur est vraiment topissime. J'avais aucune jupe de cette couleur. Vous pouvez la porter en effet taille haute ou en effet classique si vous voulez. Moi, je l'ai pris pour un effet taille haute. Je l'ai pris en taille médium. Et elle coûtait 39,90€. Donc voilà. Cette fois-ci, on passe chez Pull & Bear. Et c'est un petit porte-monnaie à pièces qui est trop kitsch, mais trop mignon quand même, en tête de chat, imprimé, et derrière c'est un peu en moumoute, effet moumoute, donc très pratique pour mettre ses pièces parce que c'est un vrai bazar dans mon sac. Et c'est mon chéri qui a décidé de m'offrir ça parce qu'il trouvait ça bien kitsch et bien drôle. Donc il coûtait 6,99€ chez Pull & Bear et je trouvais ça vraiment trop cute. Donc voilà. Donc cette fois-ci, on passe aux produits soldés et je vais commencer par Jennifer. Donc c'était une commande internet pour
Celles qui ont suivi, il y avait moins 10% en plus sur les produits soldés. Si on commandait de 8 à 10 heures, je crois, ou 10 heures à midi. Et donc, du coup, je me suis pris une petite chemise comme celle-ci, qui est bleue, assez transparente, un peu effet mousseline, que je trouve vraiment super jolie. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette couleur. Déjà, j'avais pas de chemise bleue électrique comme celle-ci, et je la trouvais vraiment jolie. Et de plus, vous allez voir dans la suite de la vidéo ma commande Zara, et vraiment j'ai trouvé des chaussures qui iront parfaitement avec cette chemise ou l'inverse. Donc de base elle coûtait 12,99€ et je l'ai payée 4,50€. Donc vraiment 4,50€ pour une chemise comme celle-ci, c'était vraiment une très bonne affaire. Donc j'espère pouvoir vous les montrer prochainement dans un lookbook. On passe ensuite chez Etam. J'étais obligée de passer par là, surtout que sur le site, pendant de minuit à 4h du matin, pendant mes soldes nocturnes, j'ai repéré alors les chaussons les plus kitsch du monde, mais qui m'ont tellement fait rigoler, j'ai tellement craqué dessus que j'étais obligée, je vous les montre, ne vous foutez pas de ma gueule, hein, mon copain s'est assez foutu de ma gueule, bon, moi aussi je me suis foutu de ma propre gueule pour vous dire, et c'est des chaussons tongs. Éléphants comme celles-ci qui sont vraiment trop cute, et elles étaient soldées à moins 50%, et donc de base elles coûtaient 12,90€, et je les ai payées 6,30€ ou 6,50€, un truc comme ça. Donc vraiment pour cet été, parce que moi je kiffe l'effet cocooning quand je suis chez moi, je peux pas sortir mes chaussons en forme de cœur, que je vous ai en forme de cœur, avec un cœur en pilou pilou que je vous avais montré dans mes cadeaux de Noël. Et je peux non plus pas sortir mes chaussettes pilou pilou, parce que je pense que suer des pieds là, je pense que je nettoie à la maison, j'ai plus besoin de passer de la serpillière avec mes chaussettes. Donc j'ai pris celles-ci, elles sont ouvertes, elles sont mignonnes et voilà, elles sont bien kitsch quoi. Donc je continue avec mon achat chez Claire's, c'est vraiment un tout petit achat, ça va faire du bruit d'ailleurs. On continue d'ailleurs sur les éléphants, voyons, avec ce collier-ci que j'ai trouvé vraiment magnifique. Alors je suis désolée pour les oreilles, là je vais faire une petite démonstration. Donc voilà, vous pouvez pas passer discrètement dans une ruelle, je peux vous le dire. Si vous êtes pourchassé, jetez le collier quelque part, hein, y courez quoi. Donc il coûtait de base 12,99€, donc 13€, hein, soyons clairs et précis, les 1 centime, on est d'accord. Et il a été soldé à 3€ et clairement une dame l'a pris. Son fils lui a dit que c'était moche. Moi j'ai rigolé, elle a reposé, j'ai sauté dessus. Ah, à la guerre comme à la guerre, on est d'accord pendant les soldes. Donc vraiment je suis très très contente de ce petit achat. Et voilà. Donc cette fois-ci on passe à Undies. Non, je n'ai pas acheté de pyjama. Je crois que je vais craquer au niveau des pyjamas. C'est bon, c'est fini, hein, j'arrête. D'ailleurs je pense que je vais vous montrer un de mes pyjamas qui est très mignon, que j'ai trouvé chez Primark, qui n'était pas soldé non plus. Je vais aller vous le chercher juste après. Donc, pour vous dire, j'ai craqué... je vais vous montrer une culotte, hein, d'accord, hein, c'est pas un truc de ouf, c'est juste une culotte. Hein. C'est une culotte Lisa des Simpsons, qui coûtait de base 7,95€. Il faut savoir, pendant les soldes, Undies solde presque toute la boutique, hormis la nouvelle collection, à moins 50%. Donc c'est vraiment une très très bonne occasion de refaire un stock de lingerie, de pyjama ou même de tenue de sport. Donc là, il était donc à 7,95€ et je l'ai eu donc à 3,45€, un truc comme ça. Même pas, je crois, 3€ ou 4€. Je vais vous dire ça si j'ai dit quelle caisse. Donc, je l'ai eu à 4,95€, donc franchement une bonne affaire, elle est vraiment mignonne. Et je sais que les culottes soutifs Undies durent vraiment très très longtemps. Et on reste dans les Simpsons, et j'ai pris un soutif Bart cette fois-ci, qui est fait assez sport. Je pense que je pourrais l'utiliser sous mes tenues de sport ou voilà comme ça, que je trouve assez fun. Donc il coûtait, est-ce que j'ai le prix là, donc ce soutif coûtait 9,95€, non
18€ et quelques, même 19,95€, et je l'ai eu à 9,95€, donc une bonne affaire, et j'ai pris le bas avec aussi, donc voilà, qui fait assez sporty, voilà, qui est très mignon aussi, donc qui est à 9,95€ et qui est passé à 4,95€. Donc je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, celle de chez Lisa est bien passée à 3,45€. Si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai deux petites pièces en fait. Donc je vous dis des bêtises. Ouais, elle est passée à 3,95€, celle de chez Lisa. Celle Lisa. Voilà, culotte Lisa, on s'est compris bien, ça. Cette fois-ci, on continue avec H&M. J'ai dû faire, je crois, deux ou trois boutiques. Je crois. Oui, j'ai dû faire les Champs-Élysées, Clessouille, un truc comme ça. Et Val d'Europe. Et je pense que je vais aller voir dans d'autres boutiques parce que ça change vraiment selon les boutiques. Et j'ai pris plusieurs articles. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous le boutonner comme ça, c'est beaucoup plus facile. Un bustier qui fait un peu effet jean délavé, un peu gris et noir. Donc je vous le reboutonne comme ça, c'est vraiment plus agréable à voir. Déjà que ça n'est pas trop non porté, on est d'accord. Voilà. Qui est donc comme ceci. Il y a les détails de couture juste devant. Ça fait vraiment un effet jean. Ça se ferme sous bouton pression comme ceci. Derrière, on a un effet un peu ressort au niveau de la bretelle. Donc je l'ai payé 5€ alors que de base il était à 14,99€, donc 15€, ça fait quand même 10€ de différence et c'était une très bonne affaire. Et j'ai eu de la chance parce qu'il restait presque que des grandes tailles et je suis tombée sur celui-ci et je vais sauter dessus. Donc on continue toujours chez H&M, comme je vous ai dit, je suis tombée sur des petites ballerines qui font un peu mocassin que je trouvais assez fun. J'ai vraiment flashé sur la couleur. Il y avait trois modèles différents. Je sais qu'il y en avait un gris panthère qui vous c'était indiqué gras. Il y en avait une autre paire qui était noire avec écrit dessus en je sais plus quelle couleur. Coquillage. Enfin, il y avait un coquillage dessus et je sais plus quoi. Donc moi, j'ai craqué sur ces orangés un peu briques. Sur lesquels est écrit Aloha Beaches ou Beach, mais pas, pas le mot voilà, qu'on ne va pas prononcer ici, mais vraiment le mot qui veut dire plage, hein, on est d'accord. Et avec des petits ananas comme ceci, j'ai trouvé vraiment très très cute. En fait, je les ai pris surtout pour le Aloha, sachant que je suis une fan de Stitch. Je suis une fan de Stitch, donc Aloha. On est d'accord, donc elles étaient à 7€ alors que de base elles étaient à 14,99€. Donc vraiment c'était une bonne affaire et elles sont vraiment très très cute pour cet été. Donc toujours chez Sephora, toujours chez H&M, donc je suis tombée sur ce short. Oui, je suis tombée en fait, je marchais et voilà, je suis tombée sur le short, merci les cheveux. Donc c'est un short comme ceci qui est un imprimé qui fait un peu effet irisé, satin. Je crois qu'il a été cousu peut-être avec des fils argentés ou c'est peut-être moi qui m'enflamme aussi, il n'y a pas du tout de fil argenté. Donc, enfin bref, je le trouvais très très beau, il changeait de short en jean pour cet été. Je sais qu'il y a la veste avec et je prie qu'elle soit encore là la deuxième ou troisième des marques parce qu'elle était à 20€ et que je fais ma crevarde clairement. Je ne veux pas dépenser 20€ pour une veste. Surtout en solde. Donc il était de base à 24,99€ et il est passé à 10€. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu évasé et il laisse pas apparaître le début de la fesse. Hein. Ça va, je suis pas dans un clip de Nicki Minaj quand même. Donc, et je l'adore vraiment. Il fait assez classe pour cet été, c'est vraiment top pour une soirée. Dans ce sac là encore, il me reste plein de bagues comme celle-ci, argentées. Donc c'est vraiment de simples petits anneaux. Il y en a pour le pouce je pense, pour les doigts normaux et pour les phalanges, qui coûtait de base 4,95€ et qui a été soldé à 1€, donc c'était vraiment la bonne affaire. Si j'en perds, j'ai un petit stock comme ceci. Et toujours dans les bagues, cette fois-ci en version dorée, qui ont un peu un imprimé aztèque, il y a du rose saumon dessus, un sorte de bleu vert mint.
et du noir. Donc pareillement, même principe, des bagues de pouce pour les autres doigts et des bagues de phalange. Donc pareillement, qui coûtait 4,95€ à la base et qui a été soldé à 1€. Donc c'était vraiment une très bonne affaire aussi. Je continue toujours chez H&M, cette fois-ci celui des Champs-Élysées. J'ai pris deux articles, tout simplement. J'ai pris, désolé pour les oreilles, j'ai pris ce petit crop top avec un petit color comme ceci que je trouvais vraiment très mignon, qui est un peu imprimé dentelle, imprimé fleuri, je crois que c'est des roses d'ailleurs, que je trouvais vraiment très beau. Il existait aussi en noir, mais je n'ai pas craqué, j'en ai pris qu'un, j'ai pris le bleu, parce que ça changeait vraiment de ce que j'ai dans mon dressing. Donc voilà, il est vraiment très beau, je pense avec un bandeau pendant l'été, ça va être vraiment top top top. Il coûtait de base 14,99€ et était soldé à 7€, et je le trouvais vraiment magnifique. D'ailleurs, je l'ai trouvé que dans ce Sephora là. Je vais arrêter avec Sephora, oui, que dans ce H&M là, et vraiment je ne pouvais pas partir sans, il est vraiment magnifique. Toujours dans le même H&M, je suis tombée sur ce collier que je trouvais vraiment très original. Donc il est vraiment monochrome, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Dites-moi en commentaire. Qui est vraiment très très beau, d'un bleu menthe, limite menthe à l'eau, qui est vraiment magnifique. Je vais bien vous le mettre comme ceci. Je pense que je vais le revernir, le bomber, pour pas que la couleur parte. Qui s'attache avec un nœud comme ceci et que je trouvais assez sympathique, sachant que je n'en ai pas dans ce type là, que j'en ai aucun qui s'attache avec un nœud. De base, il est à 19,99€, soit 20€. Et il a été soldé à 7€. Et vraiment, il était magnifique. Il existait aussi en blanc cassé, beige. Mais je préférais vraiment cette couleur-là. Donc, je suis allée vous chercher le pyjama de chez Primark, comme je vous avais dit. Donc, il se présente comme ceci, en short. C'est vraiment un pyjama été. Le tissu est assez fin. Donc, on l'a barre juste ici avec des petites lanières pour pouvoir le resserrer, mais en fait je crois que c'est des fausses lanières, je crois qu'on peut pas du tout le resserrer, ouais, on peut pas le resserrer hein. C'est juste purement décoratif. Et il y avait un haut avec plein de petits Bart qui sourit comme ceci, et c'était donc chez Primark et il était à 10€ si je me trompe pas. Donc je pense que vous pouvez le retrouver soldé, mais moi je l'ai acheté il y a assez longtemps. Donc si vous le retrouvez, je pense qu'il sera soldé. Donc voilà. Cette fois-ci, je passe à la commande internet sur le site Zara.fr. Donc c'est un gros carton comme ceci, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas énormément de produits. Donc je vais commencer par les hauts, et je ne suis pas sûre d'avoir les prix soldés. Je vais faire un petit peu de bruit. Hein. J'ai pris un t-shirt à bretelles esprit marinière pour cet été, je trouvais ça assez sympathique, qui est comme ceci. Il est vraiment très très fluide, je l'ai pris assez grand je crois pour pouvoir avoir un effet un peu loose. Donc j'ai pris en taille M, qui coûtait 6,95€ et que j'ai eu à 4,99€. Ensuite j'ai pris ce top là que je trouve vraiment magnifique. Donc il a un détail, il est ajouré devant. Donc ça fait un esprit assez géométrique devant. Au niveau de la coupe, elle est assez cool au niveau des bras. Et derrière, on a une petite fermeture éclair comme ceci qui donne un effet assez stylé au haut. Donc de base, il coûtait 17,95€ et il a été soldé à 9,99€. Donc à peu près, on va dire 8€ de réduction, donc c'est vraiment pas mal pour une première des marques. Et je pense que je vais retourner sur Zara.fr lors de la deuxième ou troisième des marques. Et un troisième haut que j'ai pris sur Zara.fr, c'est un haut blanc comme ceci, c'est un crop top légèrement décolleté, hein, en col V, et qui est ouvert derrière, donc ça laisse apparaître le dos, un effet dos nu. Je le trouvais vraiment très très beau avec une jupe tube. Ouais, une jupe tube, je pense que ça va être très magnifique. C'est un peu un look à la Kim Kardashian, vous comprenez. Donc qui coûtait 17,95€ et que j'ai eu à 9,99€. Donc pareillement, 8€ de réduction. Je trouvais ça assez cool, il était vraiment magnifique. Et je crois qu'il existait en plusieurs couleurs, mais je ne saurais vous dire lesquelles.
Et je vous présente maintenant mon dernier achat soldes, et c'est pas l'achat que je préfère, mais en fait si, c'est quand même l'achat que je préfère. Donc c'est une paire de chaussures. Et vraiment j'ai craqué dessus, ça a été le premier produit qui est rentré dans mon panier, je vous l'avoue. C'est des talons ouverts comme ceci. J'ai laissé les papiers à l'intérieur, comme ça vous voyez bien. Donc qui mélange du vert mint, on va dire du vert d'eau et du bleu électrique et du noir. Et elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Les talons ne sont pas très très hauts. Elles sont ouvertes. Vous avez le détail des petits lacets devant. C'est vraiment une belle pièce, je trouve, dans ma collection de chaussures. Je la trouve vraiment magnifique. Et elle coûtait de base 49,95€, soit 50€. Et je les ai eues à 29,99€. Et je ne suis même pas sûre qu'il y a encore ma taille sur le site, donc j'ai vraiment bien fait de les prendre directement. Et je les aime d'amour, et voilà pourquoi j'ai pris aussi une chemise bleue électrique chez Jennifer, parce que je trouve que ça va parfaitement aller avec cette paire de chaussures. Moi, je l'aime. Et voilà, c'en est fini pour ce haul solde été 2015. De toute manière, je pense que la semaine prochaine arrivera très rapidement sur ma chaîne le haul solde cosmétique été 2015. J'espère recevoir d'ici là toutes mes commandes. Je sais qu'il y a sur ces commandes là au niveau des vêtements, il me manquait simplement un haut de chez Bershka. Au pire je vous mettrai la photo juste ici, et j'espère l'avoir très bientôt. D'ailleurs je pense que ça a été ma première commande, et pourtant celle qui est toujours pas arrivée, à n'y rien comprendre. Enfin bref, je vous dirai aussi si je vais refaire les soldes au niveau des vêtements. Et du coup, je vous ferai sûrement un autre haul, ou peut-être pas, ça dépend si cette vidéo vous plaît, vous aura plu, du moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des achats soldesques, ce qui vous a plu, si par exemple vous avez aussi acheté les mêmes articles que moi et qu'on est sœurs de shopping, on sait jamais. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à me laisser des pouces vers le haut surtout, pour m'encourager à refaire d'autres hauls si vous aimez, parce que si vous aimez pas, clairement, je vais pas me prendre la tête à en refaire, hein, voilà. C'est pas grave, hein. Et donc, comme je vous ai dit, on se retrouve vendredi pour mon haul. Oh, je vais arrêter avec le haul. Donc, comme je vous ai dit, on se retrouve vendredi pour le lookbook Summer Edition. Clairement ça sera pas avec ces vêtements là, hein. je vous préviens, hein. Je pense que le lookbook va arriver peut-être dans une ou deux semaines avec ces tenues là, hein. Je ne suis pas Flash Gordon, bref, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ah oui, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les actualités avant tout le monde, hein. Restez connectés. Et ciao. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle rubrique Belle avec du naturel. Et j'ai reçu de ma partenaire Marine du site Azaï Pure deux produits que j'ai voulu intégrer dans ce tutoriel make-up, qui sont deux produits naturels et bio.